Et là, on est à l'entrepôt. En fait, c'est un ciné. À l'origine, c'est un cinéma d'art et d'essai qui a été créé par Frédéric Mitterrand il y a une trentaine d'années. Bertrand Delanoë va venir présenter ses listes pour les élections municipales du mois de mars. Alors, il devait présenter des gens comme Bruno Julliard, l'ancien patron de l'UNEF, un patron de l'UNEF qui démissionne là, du syndicat. On parle de l'acteur Philippe Torreton, peut-être Yamina Benguigui. Enfin, voilà, on attend de voir qui va présenter sur ces listes. Si les journalistes veulent bien laisser la place pour que les personnalités arrivent jusqu'à la scène. Vous savez, nous sommes dans une campagne locale, donc vous devriez vous calmer là. Les 20 têtes de liste ont été désignées par le vote à bulletin secret des militants, et j'aime cette culture démocratique qui est la nôtre. Et il nous disait les éléments qu'il voulait ressortir du son, de tout ce qu'on a enregistré depuis le début de l'interview de Delanoë, enfin de l'intervention de Delanoë, et juste les sons qu'il faut extraire pour son direct à midi. Les formations politiques progressistes sont au cœur de l'architecture de notre projet et de notre dispositif. C'est-à-dire que comme là, on est un peu, comme d'habitude, un peu pris par le temps, donc on va passer à midi 10, il faut qu'il continue à écouter quand même ce qui... Le journaliste est sur place, il continue à écouter ce que dit donc Delanoë, sa présentation. Donc moi, pour gagner un peu de temps, il m'a dit, voilà, il faudrait qu'on sorte deux angles sur la première partie du discours. Donc moi, je l'ai dégrossi un peu. Et puis, dès qu'il arrive dans la voiture, je lui fais écouter. Si ça lui convient, c'est ce qu'on prend. Et puis sinon, on peut un peu le réduire encore un peu. Parce que le problème, c'est de réduire. Notre problème, c'est toujours de réduire. Vous l'écoutez ? Ouais, il faut qu'on fasse assez court sur les deux, à mon avis. Rien n'a été politicien dans ma démarche. Je n'ai pas cherché le débauchage politique, la confusion ou les magouilles. Toutes les personnes qui m'accompagnent là, ce sont des hommes et des femmes dont je me porte garant. On peut enlever les 5-6 secondes qui est au milieu. Ok. Bon, d'accord. Ok. Alors, je fais ça déjà. Pour que la capitale reste bien socialiste, Bertrand Delanoë a surtout présenté ce matin les personnalités qui ne sont pas membres du PS, 10 hommes, 10 femmes, venus de ce qu'on appelle la société civile et qui vont être parfois en très bonne position dans les arrondissements parisiens.